Marie-France, Julien a libéré. Tes premières pensées? Alors, mes premières pensées, ça a été évidemment beaucoup de soulagement et beaucoup de joie, parce que ça fait longtemps qu'on se bat et ça fait encore plus longtemps que lui, il souffre. Et enfin, il souffrait. Maintenant, il a retrouvé sa famille, il a retrouvé son pays. Il rêve à la nature qu'il va retrouver. Ouais. Mais nous aussi, notre réaction en tant que comité, c'est qu'on est complètement heureux et libéré comme lui du fait qu'il n'est plus en prison, mais notre combat n'est pas fini, on doit continuer parce que d'abord lui n'est pas, il y aura certainement encore des choses qui concerneront Wikileaks, etc. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris le panneau aujourd'hui, Wikileaks reste d'actualité, reste extrêmement important. Les injustices ne peuvent être combattues qu'à partir du moment où elles sont révélées. Et donc Wikileaks va continuer à jouer un rôle. Donc nous devons soutenir Wikileaks. Et puis il y a encore beaucoup de dangers qui menacent la presse. Beaucoup d'autres journalistes qui sont menacés directement, comme en Palestine par exemple, qui sont déjà en prison, ou bien alors qui sont menacés, comme certains sites qu'on essaye de faire taire. La lutte continue. La lutte continue. Merci. Félicitations. Merci.